Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Romain, vous êtes fumeur ou pas? Alors non, je suis pas fumeur, mais je suis un peu accro au café, on va dire. Et je travaille chez Amazon, justement. D'accord. Donc je connais du coup ce que c'est qu'un environnement de production. Alors la pause légale déjà, donc celle-ci elle est essentielle. Après les petites pauses dont vous parlez, les petites pauses intermittentes que certains collègues peuvent prendre pour aller prendre un petit café ou fumer une cigarette. Je vois pas où est le problème en fait du moment que le travail est fait. Bien sûr. Parce que moi, typiquement, j'ai des collègues qui s'absentent plusieurs fois dans la journée pour aller fumer ou pour aller prendre un café. Je m'en fous en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Tant que ça n'impacte pas sur mon travail, c'est pas grave. Et de toute façon, c'est pas mon rôle de me soucier de ça. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Je fais pas plus. Je fais mon travail. Je suis payé pour faire ce que j'ai à faire. Point barre. Je suis pas payé pour faire plus. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Si mon manager constate qu'il y a un problème avec un collègue, il ira lui dire. S'il dit rien, c'est que tout va bien. Donc, faut arrêter de se turlupiner avec ça. Maintenant, j'invite tous les boomers de service à aller de faire vraiment des métiers contraignants, des métiers qu'on n'exerce pas avec passion. Je peux vous assurer qu'aller prendre une petite pause juste de 5 minutes pour fumer une cigarette, même si c'est pas bon pour la santé, on s'en fout, c'est pas vous que ça regarde, ou boire un café, je peux vous assurer que ça va vous libérer un petit peu. Bah Parce que oui. comme l'a dit Thierry Moreau, on passe la plus grande partie de notre vie à être au travail. Ouais. Parti, ouais. Donc, c'est quand même un moindre effort d'avoir un petit temps de pause. Mais Mais ça, ça, le moi, je le problème, comprends, mais ça, Romain. le problème. Mais non, mais mais attendez, tant que ça laissez-moi finir. n'impacte pas votre collègue, moi, j'ai pas de problème avec Non, ça. mais, non, mais, non, mais vous parlez. Non, mais ça me fait rire, parce qu'en fait, vous parlez, vous êtes assis à RMC, vous faites Ouais. un métier tranquille. Ah Moi, oui, je bah vous vous invite. avez... ouais, bien sûr. Mais bah Non, oui, non. bah, en Bah, fait, vous moi, savez quoi? eh ben, oui, eh J'arrive à ben. 11h30 et puis je repars à 15h. Ah, C'est bah, ça ma c'est vie. vrai que c'est compliqué. Vous savez, moi, je me lève à Mais 4h et je arrêtez, repars à mais 15h. là, c'est une vanne, Voilà. Romain. Vous croyez quoi? Vous Voilà. croyez qu'on Elle arrive est tôt. là Non, franchement, les gens bossent à RMC. C'était une vanne. Donc, à un moment donné, non, mais moi, je vais vous expliquer la réalité aussi. À un moment donné, Allez-y. faut arrêter de traiter les Français de fainéants Mais systématiquement. qui a Oui, dit il y a ça, en des... fait? Mais qui a dit ça? Mais, les Fred Hermel, ça, c'est des spécialistes. Hein, donc, Mais on les connaît. personne. Non, Mais attendez, non, mais non. là, Romain, personne n'a dit ça. On Non, dit peut-être pas juste. là Non, sur le non, non, plateau, non. mais je vous écoute souvent, je vous Eh écoute ben tous les oui, jours, mais en et fait. il y a quand même des experts chez vous pour, voilà, les Français ne sont plus adeptes de la valeur travail. Ça veut dire quoi, la valeur travail? Moi, je vais vous Mais expliquer une qui a chose. dit valeur travail aujourd'hui? J'ai un de mes managers, un jour, qui m'a dit très simplement à propos du télétravail, il m'a dit de toute façon, un employé qui ne travaille pas, peu importe ce qu'il fait, ça se verra. Donc, qu'ils prennent des pauses de 5 minutes ou pas, ça change rien. Si derrière son Exactement, travail, c'est vrai. est fait, qu'est-ce qu'on en a à Mais faire? Romain, Tant moi que son j'ai pas travail est fait, qu'est-ce qu'on en a à faire? Romain, j'ai pas de souci avec ça. Le seul truc qui, moi, peut me gêner, c'est si, par exemple, vous prenez toutes les pauses que vous voulez, si votre travail est fait, ok, pas de problème. En revanche, si pendant que vous prenez vos pauses, votre collègue qui lui n'a pas de pause se retrouve avec deux fois plus de travail, Mais là, admettez que ça peut être gênant. Mais on qu'est-ce que parle avec ça son lui collègue. empêche? Qu'est-ce que ça lui empêche de prendre une pause? Et s'il a un Exact. problème, il me le dit en face. S'il a un problème, il le dit en face. Ou il fait un reporting à son manager, j'en ai rien à Ah faire. bah super, Les la collègues, direction, super, les génial. collègues, ils se parlent entre eux, bien Oui. sûr. On discute et Ah on parce que dit, tu te vois dire je suis allé en à un pause, tu peux y collègue. aller. Mais enfin, les gens, c'est ça, c'est cette manière de monter les salariés les uns contre les Ah autres. d'accord. Les équipes, elles Voilà. travaillent entre elles. Si un salarié trouve ça, il va aller en parler avec son collègue. Et encore une fois, je le répète, quelqu'un, c'est pas une question de fumeur ou de pas fumeur. Le fumeur, il peut aller fumer sa clope. Celui qui est pas fumeur, il peut prendre une pause pour aller boire un verre d'eau.